Depuis quelques jours, le virus de la Covid progresse à nouveau dans le département. Le taux d'incidence qui correspond au nombre total de nouveaux cas pour 100 000 habitants est actuellement à 130,7 pour le territoire ardennais. Depuis une dizaine de jours, on constate chaque jour une lente, mais malgré tout une progression du nombre de contaminations qui sont identifiées dans le département. Donc c'est une dynamique qui doit nous conduire à la plus grande vigilance, et malgré les beaux jours et l'arrivée de ce temps que nous apprécions tous, de pouvoir continuer à respecter les gestes barrières et la distanciation sociale qui constituent des éléments majeurs dans le cadre de la limitation de la propagation du virus. Le taux de positivité évolue également. Cependant, aucune nouvelle restriction n'est envisagée pour le moment dans les Ardennes. La situation reste bien moins grave que ce qui peut être observé dans d'autres départements voisins. Donc il n'y a pas de reconfinement envisagé à ce stade. Simplement, si on veut éviter justement ce reconfinement, eh bien, il nous faut être vigilant, tenir bon et respecter ces gestes barrières, ces règles, le couvre-feu, même si ça peut paraître contraignant. Afin d'accélérer la campagne de vaccination, plusieurs médecins du département pourront dorénavant vacciner dans leur propre cabinet. Alors bien sûr, la campagne de vaccination va s'accélérer. On le dit maintenant depuis plusieurs semaines, ça devient une réalité, puisqu'en plus des centres de vaccination qui ont été ouverts depuis maintenant plusieurs semaines, eh bien, la médecine de ville, en l'occurrence 149 médecins à l'échelle des Ardennes, ont pu recevoir un premier flacon de 10 doses la semaine dernière, et très rapidement, ces médecins vont pouvoir recevoir 2 à 3 flacons de 10 doses chacun par semaine. Et puis, d'ici quelques semaines, les pharmaciens vont également pouvoir vacciner. Donc on le voit, il va y avoir cette dynamique, ce décollage dans la campagne de vaccination. Dès le 11 mars, une nouvelle campagne de dépistage va être mise en place dans toutes les écoles primaires du département à travers des tests salivaires.